sur radioinfocité.com, c'est le moment du journal du soir. Mardi le 5 septembre 2017. Avec notre ami Steve Fortin et François Saint-Louis. Sur la planche, notamment ce soir, tu reçois Martin Poirier. Oui, effectivement, je tenais à ce que on s'informe et qu'on puisse parler de ça parce que on va parler de deux dossiers là bien particuliers, mais qui se rejoignent si on veut avec Martin Poirier. On le sait donc, Martin Poirier, on peut le présenter comme cofondateur là, du mouvement Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. On va parler avec lui de deux différents thèmes, là, si on veut. Premièrement, les quelques 230 municipalités qui se sont fait refuser par Québec la possibilité de réglementer pour protéger l'eau potable. Il va nous expliquer ça. Puis ensuite, là, et c'est le plus important pour moi maintenant, là, la poursuite qui commence entre la pétrolière Gastem et puis une toute petite municipalité, Ristigouche. Donc on parlera de ça ensemble. Je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux, très impliqué justement dans les questions liées à l'environnement. Et je voulais aujourd'hui qu'on lui parle pour qu'il puisse expliquer aux gens qui nous écoutent les tenants et aboutissants de deux questions là qui sont reliées. On va commencer tout d'abord, Martin, si tu le veux bien, par la question qui touche la poursuite de la pétrolière Gastem et de la municipalité Ristigouche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les tenants et aboutissants de ça? Tout à fait. On sait que la compagnie Gastem poursuit Ristigouche Sud-Est depuis mars 2013. Pour avoir adopté un règlement. Donc, on va laisser Martin continuer. Tu nous expliquais donc que la poursuite avait débuté quand? Exactement. Ça avait été lancé quand? Autour de mars 2013, Gastem a été municipalité suite à l'adoption d'un règlement pour la fabrication de l'eau. Il faut savoir qu'avant 2011, il n'y avait aucune réglementation provinciale sur la protection de l'eau, la protection des sources d'eau potable, l'approvisionnement des municipalités. La première municipalité à avoir adopté un règlement avec le juriste Richard Langevier remonte à novembre 2011 exactement. Et par la suite, plusieurs... Et quelle était cette municipalité-là, Martin? On dit la municipalité de Saint-Bonaventure. Et d'ailleurs, le premier règlement de protection s'appelle le règlement dit de Saint-Bonaventure. OK. Donc, le gouvernement provincial ne jouant pas son rôle de protéger l'ensemble des municipalités. Il faut savoir que le gouvernement Charest a ouvert la filière des hydrocarbures à partir de 2003. On a vu apparaître les permis d'exploration au niveau du sous-sol québécois autour de 2004. Donc, graduellement, on a vu des compagnies à travers la planète acheter ce qu'on appelle des claims, des permis pour faire de la recherche, de l'exploration dans le sous-sol québécois. Mais le gouvernement n'a mis aucun cadre. Donc, c'est un peu, certains utilisent le terme le développement anarcho-capitalisme ou d'autres vont dire le développement territorial chaotique. Peu importe les termes, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement donne une filière, comme on l'a vu dans l'éolien, dans ce cas-ci dans les hydrocarbures. Cette filière-là a été vendue à 10 cents l'hectare, donc les compagnies pouvaient louer le sous-sol du Québec. Et les municipalités se retrouvant pris avec cette situation-là, on l'a vu dans le cas de Mont-Saint-Hilaire, où la municipalité apprend en plein conseil que des compagnies forcent sur son territoire. On sait que la vallée du Saint-Laurent a été très touchée. On parle de plus de 30 puits avec fracturation. Et sur ces 30 puits-là, le deux tiers jusqu'à aujourd'hui fuit toujours, a des fuites non colmatables. Donc, ça a amené les municipalités à devoir se prendre en main. Et on a eu la chance d'avoir le juriste Richard Langevier qui a adopté, qui a monté le règlement dit de Saint-Bonaventure. Et quand on arrive à Ristigouche, ben Ristigouche adopte ce règlement-là en 2013. Donc, on est à plus d'une année plus tard où déjà plein de municipalités ont adopté ce règlement-là.
obtenir de poursuites. Dans ce cas-ci, on sait que la compagnie Gastem s'apprêtait à faire un forage. Et en adoptant ce règlement-là, ça court-circuitait la possibilité pour cette compagnie-là de faire un forage, parce que la particularité du règlement de Saint-Bonaventure, c'est qu'il n'y a pas de forage à moins de 2 km ouais. zone de prélèvement d'eau potable. Alors que si je ne m'abuse, là, il y avait quelque chose là, à propos de 500 mètres, là, si je ne me trompe pas, non? Bon, quand on arrive aux 500 mètres, quand le gouvernement du Parti québécois prend le pouvoir à la fin 2012, après l'usure du gouvernement Charest, l'état de la demeure fait dur dans bien des secteurs, mais particulièrement avec le secteur des hydrocarbures. Nous, on était impliqués dans ce dossier-là depuis 2009. Donc, quand le Parti québécois arrive au pouvoir en 2013, l'idée d'adopter un règlement provincial pour venir dégager les municipalités de devoir porter individuellement à la pièce ce règlement-là, à la base, ça a été salué. Sauf que la première mouture du règlement qu'on appelle le RPEP a été élaborée avec le ministre Blanchet, qui était oui, François Blanchet, à ce moment-là. Et on parlait d'une distance de 400 mètres. Donc, le ministre Blanchet s'est retrouvé avec une manifestation à ses bureaux en juin 2013 avec les groupes citoyens qui n'étaient pas contents des promesses électorales de 2012 versus le résultat d'une zone de 400 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 400 mètres, on permet à l'industrie de forer un peu partout. Avec une zone de 2 km, quand on regarde la vallée du Saint-Laurent, ben, il reste très peu de zones pour que les compagnies puissent forer. Ouais. Donc, on a dit que ce règlement-là était le règlement dit de Petrolia, parce qu'il venait accommoder, entre autres, la compagnie Petrolia, qui, elle, voulait forer à moins de 350 mètres là, des résidences à Gaspé. Donc, la première poursuite qu'il y a eu, d'ailleurs, avant même que Restigouche se fasse poursuivre, ça a été Petrolia qui a poursuivi la municipalité de Gaspé pour la même adoption de règlement. Dans ce cas-ci, Petrolia a gagné en cours et Gaspé n'a pas pris le choix d'aller en appel, ce qu'ils auraient très bien pu faire là, quand on lit les écrits du juriste Richard Langelier. Ceci étant dit, Restigouche se retrouvait avec une poursuite dans ce contexte-là. Sauf que là, on parle d'une municipalité de moins de 200 habitants. Puis une poursuite de 1,4 million, là. 1,5 million. Et la démesure est vraiment particulière, parce que quand on regarde qui est à la tête de Gastem, on retrouve Raymond Savoie. Et il faut savoir que Raymond Savoie, des fois, avec notre devise, je me souviens, c'est bon de replacer les gens d'où ils viennent pour éviter de les ravoir un peu dans notre cour. Mm-hmm. Et dans le cas de Raymond Savoie, il a été ministre des Mines et des Régions sous le gouvernement Bourassa. Donc, c'est très ironique de voir que cet individu-là se retrouve avec des permis, entre autres les îles de la Madeleine. À l'époque où il était ministre des Mines, il a participé à la privatisation de la mine Célène, qui était un bien collectif des Québécois, une mine de sel aux îles de la Madeleine. On sait déjà que dans cette mine-là, on parlait souvent d'évacuer les travailleurs parce qu'il y avait présence de gaz à certaines périodes. Donc, le ministre connaissait très bien le potentiel gazier des îles de la Madeleine. Donc, ça n'a pas été surprenant, mais plutôt odieux de le voir à partir de 2008-2009 acheter les claims de l'ensemble des îles de la Madeleine pour à peu près 1 700 $. Aïe, aïe, aïe. Et bien entendu, de sa position de ministre, bon, là, faut dire aussi qu'à cette époque-là, il n'y a peut-être pas le même principe de précaution entre quelqu'un qui quittait la politique, le nombre de temps et tout ça, mais je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est profondément troublant quand un acteur de la politique, qui plus est un ancien ministre, se retrouve de l'autre côté complètement de la clôture à titre d'entrepreneur là, qui fait fortune à partir des connaissances qu'il a acquises de son poste de ministre. Il y a là quelque chose de profondément troublant. Il va falloir qu'on accélère un peu le temps file. Oui. Je te laisse l'heure avec ça parce que j'ai aussi qu'on parle des l'autre manchette qu'on a vue aujourd'hui, c'était les 230 là, municipalités. J'entendais aujourd'hui le maire de Lanoraie. J'ai trouvé son entrevue avec Michel Séaugé très, très intéressante. Mais je te laisse poursuivre puis ensuite conclure avec l'autre dossier, s'il te plaît. Les deux étant intrinsèquement reliés, je vais pouvoir faire la boucle assez facilement. Dans OK, bon, merci.
Dans le cas de Gaston, bon, ils ont été expulsés des îles de la Madeleine par les Madelinos, faire histoire courte. Ils se sont ensuite tournés vers la vallée de la Matapédia où les citoyens de Saint-Léon-le-Grand leur ont montré la porte. Donc, Restigouche est un peu le forage de la dernière chance pour cette compagnie-là. Et nous, on voit beaucoup que c'est un cheval de Troie. L'idée de poursuivre, dans le fond, Gaston n'a pas intérêt autre qu'à gagner ce jugement-là pour enfin bénéficier à l'ensemble de l'Association pétrolière et gazière du Québec si elle gagne par jurisprudence. Ouais. De l'autre côté, si Restigouche Sud-Est gagne cette cause-là, là, on va créer un précédent qui va donner du mordant aux autres municipalités. Donc, c'est l'ensemble du Québec présentement qui se joue au niveau du territoire des municipalités avec la situation de Restigouche. Et là, ouais, si j'ai bien compris, ce procès-là se tient à nous qu'à l'heure, donc il est vraiment sous juridiction provinciale? Oui, tout à fait. Okay. C'est un procès qui devait durer, si je ne m'abuse, 5 jours. Là, on est rendu à 10 jours, ce qui a amené la municipalité à devoir lever des fonds publics parce que là, on pousse un peu le ridicule de manière pathétique quand on doit amasser des fonds publics pour devoir se défendre. Dans ce cas-ci, le gouvernement n'a jamais joué son rôle. Et c'est la même chose quand on revient au RPEP. Finalement, le ministre Blanchette n'a pas réussi à l'adopter en 2014, suite aux élections d'avril 2014. Les libéraux ont adopté ce règlement-là, pratiquement copié-collé, en ajoutant 100 mètres de plus et en disant « on a fait mieux que le Parti québécois, on a mis une zone de 500 mètres ». Donc, le refus qu'on voit aujourd'hui des 230 municipalités, c'est qu'elles demandaient au ministre Heurtel une dérogation pour ne pas avoir à se conformer à la bande de 500 mètres et pouvoir appliquer leur propre réglementation. Donc, on se retrouve un peu à la case départ devant un gouvernement qui maintient, persiste et signe que l'intérêt des pétrolières et des gazières est avant tout son propre intérêt, là. Et quelle est la chance que, justement, les municipalités, parce que là, tout le monde, si j'ai bien compris aujourd'hui, là, tout le monde est en attente de voir ce qui va se passer avec le procès. Fait que tout le monde est en mode attente pour voir qu'est-ce qui pourrait bien se passer. La chose étant ce qu'elle est au Québec, la nomination des juges est elle-même intrinsèquement politique. Donc, on verra ce qui va se passer de ça, mais je veux dire, ça va prendre un certain temps. Puis là, quand le jugement va tomber, j'imagine qu'ensuite, le tout va débouler, là, tout pourrait débouler très vite, surtout si Restigouche devait gagner le procès. J'imagine qu'il va y avoir là, toute une flopée de municipalités qui vont vouloir se prévaloir de telle disposition. Bien, déjà, le règlement dit de Saint-Bonaventure, plein de municipalités ont continué à l'adopter. Même si le gouvernement a appliqué le RPEP, dans le fond, le RPEP, le règlement de protection des eaux du gouvernement provincial, vient suspendre un peu le mordant que pouvait avoir la réglementation municipale. Mais ceci étant dit, les municipalités peuvent continuer présentement, celles qui ne l'ont pas adopté, à l'adopter pour grossir ce nombre-là. Je veux dire, on a plus de 1200 municipalités au Québec, donc à 230, on a encore un ratio de municipalités qui peuvent l'adopter. On espère qu'après les élections municipales, on verra d'autres municipalités l'adopter, là. Ouais, je tiens à souligner une chose. J'ai vu la liste de différentes municipalités qui ont contribué à la hauteur de leurs moyens. Les chiffres n'ont pas l'air gros, mais je veux dire, il y a tellement eu de coupures, puis la gestion municipale est tellement elle-même serrée. Je tiens à souligner quand même, j'ai parlé aujourd'hui du maire de la Norette, puis je veux parler de la gang de la Valtrie aussi, le conseil de la Valtrie. Ils ont lancé 1000$ là-dedans, tu sais. Puis j'étais fier de ça, j'étais fier de voir que les gens dans ce coin-là, quand on arrive à la Valtrie, les pancartes, justement, ne coulent pas chez nous, puis on se bat là-bas. Le conseil est très engagé à se battre contre le passage d'énergie Est. Puis il y a justement comme ça des conseils municipaux au Québec là, qui prennent position, puis qui lèvent le flambeau. Puis il faut le souligner, et tant mieux, là, dans le cas de Restigouche, je vais inviter les gens qui nous écoutent à être à l'écoute et à regarder, à se tenir au courant là, de ce qui va se passer dans cette cause-là, parce que la protection de l'eau potable, ça devrait être, si on veut, la priorité là, de la gestion de tout gouvernement, mais certainement c'est qu'un gouvernement de proximité comme un gouvernement municipal. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Martin Poirier? Je dirais pour conclure que présentement, ce que les gens peuvent faire, c'est d'aller sur le site Solidarité Restigouche, de contribuer justement à la hauteur de leurs moyens. Des municipalités ont contribué, mais aussi à titre individuel, on peut aller faire un don.
On est à 80 % du montant d'amassé pour que le procès puisse tenir les 10 jours. Il est clair qu'il y a encore possibilité, même qu'on se doit d'aller faire un don à Restigouche, là. Ben écoutez, je vais moi-même partager cette information-là. On s'organisera là pour que je puisse la distribuer et effectivement, donc quand on est capable, on donne et puis on aide la municipalité à se défendre parce que il y a quelque chose de profondément inique dans le fait de voir que cette pétrolière-là essaie de mettre au pas des citoyens en mettant en danger là, littéralement leur approvisionnement en eau potable. Et puis ce que vous disiez au début de l'entrevue par rapport au puits qui fuit, ça c'est là de l'information que on entend trop peu souvent et on va s'arranger nous ici à Radio Info Cité de le distribuer le plus possible. Donc je répète aux gens qui nous écoutent, on est avec Martin Poirier Martin Poirier qui est cofondateur du mouvement Non à une marée noire dans le Saint-Laurent et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous adresser à nous, à nos auditeurs. Donc passez une belle soirée, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Tout commentaire sur cet extrait, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse suivante studio@radioinfocité.com.